Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec l'achat-revente et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros après cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Chut. Avant de commencer les amis, sachez que je réalise un concours pour pouvoir gagner un coaching gratuit de 30 minutes avec moi. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit simplement de commenter juste en dessous « coaching en ligne », de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je choisirai une personne au hasard parmi les personnes qui commentent et je leur ferai gagner un coaching. Donc sans plus attendre, commençons dans le sujet du jour, comment gagner de l'argent avec l'achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui vous permet tout simplement d'acheter un produit à un prix X et de le revendre à un prix Y. Ça vous permet tout simplement d'acheter un produit à un prix X et de le revendre à un prix Y. Généralement, le prix Y étant bien évidemment supérieur au prix X, afin que vous puissiez tout simplement réaliser un profit. Je vais vous montrer ici sur mon écran. Donc, disons que vous allez acheter un produit à 50 euros. Hop. Et vous allez le revendre 100 euros. Donc, vous allez faire un profit de x2. C'est exactement comme ça que fonctionne l'achat. Revente. Hop, on va mettre une nouvelle page ici rapidement. Nickel. Donc l'achat-revente, comme je l'ai dit, existe depuis la nuit des temps et c'est quelque chose qui est de plus en plus commun et de plus en plus simple également à réaliser avec tout simplement le digital et tous les sites internet qui sont à disposition. Donc, comment on va pouvoir gagner de l'argent simplement ? Ce qu'on va faire avec l'achat-revente, c'est qu'on va utiliser une technique qui s'appelle le dropshipping, c'est-à-dire que avant même d'acheter un produit, parce qu'on ne sait pas s'il va se vendre ou pas, on va en fait le vendre sans l'avoir. On va le vendre sans l'avoir, donc on va réaliser du marketing grâce à différentes marketplaces, comme par exemple eBay, où on va vendre un produit et ensuite, une fois qu'on l'a vendu, on récupère l'argent et on achète le produit moins cher. Je vais vous montrer ici quelques plateformes que j'aime beaucoup afin de réaliser de l'achat-revente que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous avez une plateforme ici qui est très populaire et on a la chance que ce soit une entreprise française. Ça s'appelle backmarket.fr. Donc, backmarket.fr, ils ne sont pas seulement présents en France, ils sont présents aux États-Unis également et en Europe. Et ils vendent en fait un tas d'électroniques différents. Ils vont vendre par exemple du Samsung, vraiment du Apple, vraiment des smartwatches, Apple Watch, des MacBooks, etc., etc. Et vous voyez, en fait, ils vendent tous à des prix qui défient toute concurrence et c'est du reconditionné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça reste des bons produits qui marchent, etc. Donc, sans problème, vous allez pouvoir en fait les revendre. Donc là, l'objectif, ça serait par exemple, si vous voulez passer par eBay, c'est de se créer en fait un compte sur eBay. Ok, vous créez un compte sur eBay. Pour cela, je vais juste ici. Une fois que je suis sur eBay, ça ressemble à ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre les meilleures ventes ici et faire ce qu'on appelle un copier-coller. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en fait les meilleures ventes, par exemple, d'un site comme Backmarket. Vous prenez les meilleures ventes et vous allez créer en fait des annonces sur eBay disant que vous vendez ces produits. Tôt ou tard, si vous avez les bons produits, eh bien une personne va acheter en fait sur eBay, va acheter votre produit. Imaginons que vous vendez par exemple un produit Samsung, un produit électronique, vous le vendez sur eBay, vous attendez qu'une personne l'achète sur eBay, elle va vous payer via eBay, ensuite vous recevez l'argent au bout de quelques jours. Avec cet argent, eh bien vous allez pouvoir aller sur Backmarket, acheter le produit et au lieu de mettre en fait votre adresse de livraison, vous allez mettre l'adresse de livraison de la personne qui l'a acheté sur eBay. Donc, imaginons que vous vendez par exemple un produit à, je vous donne un exemple ici, hein, vu qu'on a l'écran, vous avez par exemple ce Galaxy Tab A7, eh bien, vous l'achetez à 127 euros, au préalable, vous le vendez par exemple à 250 euros, ça vous fait un profit x2. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas cantonné juste à des produits Samsung, vous pouvez vendre également d'autres produits, d'autres marques, afin en fait d'optimiser vos chances de pouvoir vendre des produits et réaliser des profits. Ce que j'aime beaucoup avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas de risque. Vous ne prenez pas de risque. Vous n'avez pas d'argent à mettre en avant parce qu'en fait, vous achetez le produit avec l'argent
du client qui a acheté lui-même le produit sur eBay. Donc ça, c'est excellent. Il n'y a pas d'argent en publicité à mettre. Vous n'avez pas de publicité à faire sur Facebook, etc. Vous allez simplement sur eBay. En fait, eBay s'occupe directement du marketing à votre place parce que eBay, c'est un site internet qui est visité par des dizaines de millions de personnes chaque mois. Donc, le marketing est fait à votre place. Vous avez simplement besoin de faire des annonces copier-coller afin de pouvoir gagner de l'argent. C'est une méthode complètement feignante où vous allez pouvoir gagner de l'argent. La seconde méthode avec l'achat-revente, en fait, qui est un peu plus embêtante, là, vous allez devoir prendre un petit risque, mais c'est un risque maîtrisé. C'est que, en fait, vous allez utiliser Backmarket, par exemple, ou eBay, Backmarket ou des sites comme Lidl.fr, afin de vendre ensuite en physique via des sites comme Le Bon Coin, des sites de petites annonces. Donc ici, je suis sur Le Bon Coin. Malheureusement, je n'ai pas accès parce que je suis à l'étranger. Visiblement, ils bloquent l'accès à l'étranger pour peut-être des raisons de sécurité. Mais en tout cas, l'idée, en fait, c'est simplement d'acheter des choses sur Backmarket. Vous allez simplement sur les meilleures ventes. Par exemple, vous savez que l'Apple Watch, ça se vend. Vous savez qu'un iPhone 11, ça se vend. Vous savez qu'un MacBook, ça se vend toujours. Il y a de la demande pour ça. Vous avez un tas de MacBook, vous avez des HP, etc. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de les acheter, de les recevoir chez vous. Ensuite, de les stocker, par exemple, dans votre appartement, dans votre chambre, etc., dans votre salon, etc. Vous les stockez. Vous achetez peut-être une, deux, trois unités, voire cinq unités. Vous ne prenez pas trop de risques. Vous les stockez et ensuite, vous les vendez sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est également un site internet qui est visité des millions de fois chaque mois. Et donc, vous allez certainement trouver des gens qui vont vous appeler au téléphone, vous envoyer un SMS disant « je suis intéressé par le produit ». Vous l'avez déjà chez vous, vous faites la rencontre avec la personne et ensuite, vous lui vendez le produit. Ça, c'est une méthode un peu plus embêtante pour un tas de raisons. Déjà, vous allez devoir recevoir le produit chez vous. Peut-être le produit sera défectueux, mais en général, il n'est pas défectueux. Vous allez devoir le stocker. Vous allez devoir attendre qu'une personne vous contacte. Donc, il y a un tas de délais en fait avant que la vente ne soit productive, avant que vous ne fassiez du profit. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant et qui est moins bien que l'autre technique que je vous ai présentée. La première technique en fait qui est du dropshipping normal. Donc, moi, je préfère la première technique. Après, vous pouvez tenter les deux techniques, voir laquelle vous convient le mieux. Mais en tout cas, vendre sur des énormes marketplaces comme Le Bon Coin ou eBay, vous savez en général qu'il y a des millions de personnes qui vont être à la recherche du produit que vous vendez. Et en plus, si vous le vendez à un bon prix, c'est encore mieux parce qu'au final, tout le monde est content. Et si vous voulez un moyen encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne, je vous ai mis en place un workshop 100% gratuit, premier lien dans la description, qui va vous apprendre le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent maintenant, cette année. Ok ? Donc, premier lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo avec une personne qui aime le business en ligne, ok. Activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Regardez également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.